au cœur du débat avec Angélique Souche sur NC Première. Bienvenue au cœur du débat avec ce midi une nouvelle fois posé la question de la correction locale du bac. On en parle depuis des années. La proposition devrait être présentée au Congrès en septembre dans le cadre du projet éducatif. Est-ce à dire que l'affaire fait maintenant consensus? Qu'est-ce que les élèves ont à y gagner? Y a-t-il des risques notamment pour la crédibilité du diplôme? On en parle tout de suite avec nos invités. Michel Roy, adjointe pédagogique du vice-recteur. Fabienne Cadouca, syndicat des enseignants CFA-CGC. Christophe Coulson de la CGC. Jean-François Toutiquian de l'UGPE et Sylvain Once de la FCPE. Bonjour et merci à tous d'avoir accepté notre invitation. Première question pour vous, Michel Roire du vice-rectorat. Est-ce que, tout simplement, la question est aujourd'hui tranchée? Est-ce qu'on aura les premières corrections locales pour cette fin d'année 2016? Oui, alors la question, on ne peut pas dire qu'elle puisse être tranchée pour l'ensemble des disciplines. Par contre, ce que l'on peut dire, c'est que le baccalauréat professionnel est corrigé d'ores et déjà en Nouvelle-Calédonie depuis un certain nombre d'années, que cela concerne 1500 élèves déjà environ, que depuis 2008, on corrige donc en Nouvelle-Calédonie l'épreuve écrite d'histoire-géographie, puisque nous avons des programmes adaptés, les épreuves de langue kanak et de japonais, et que donc pour l'année 2016, on corrigera donc les épreuves anticipées de lettres de première et puis celles de sciences en série L et ES. Donc pour tout ce qui concerne les autres disciplines, pour l'instant, il n'y a qu'une réflexion qui est engagée. Cette réflexion, elle correspond à, comment dire, une demande du gouvernement dans le cadre donc du projet éducatif de la Nouvelle-Calédonie. Elle correspond aussi à, comment dire, des raisons d'équité pour nos élèves, hein, puisque la correction du bac en métropole pose des problèmes puisque nos élèves n'ont pas le même temps pour préparer les examens, l'examen du baccalauréat, que les élèves de Polynésie française, par exemple, ou de métropole. Alors, on va revenir sur les conséquences, finalement, le pour et le contre, mais juste d'un point de vue très pratique, quand vous nous dites que pour les épreuves anticipées, donc l'épreuve de français, hein, oui, des premières, c'est à peu près 2000 élèves qui les passent chaque année, ça, c'est acté? Ça, c'est acté, effectivement, mais on va dire que c'est plutôt un galop d'essai pour la Nouvelle-Calédonie. Ça nous permettra effectivement de voir quels sont les problèmes qui sont posés, quels sont les problèmes que l'on a encore à résoudre, etc. Si jamais le Congrès prenait la décision ensuite d'étendre les corrections aux autres disciplines. Alors, les représentants des parents d'élèves sont ici, les représentants aussi du corps enseignant, Jean-François Toutiquian, donc pour l'UGPE. J'allais dire, on connaît votre position. Pour vous, c'est quand vous entendez ça, vous vous dites enfin. Oh oui, tout à fait. On se dit enfin, on va arrêter la mascarade, on va arrêter de rigoler avec ça. Prenons l'exemple du bac de français. Il est déjà à moitié corrigé en Calédonie, puisque les élèves passent l'épreuve écrite qui actuellement est envoyée en France, mais les épreuves orales, puisqu'ils ont des oraux à présenter, elles sont passées ici. On les prépare, les enfants, ici en Calédonie, et ils sont interrogés par des enseignants de Calédonie. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, ce bac à deux ou trois têtes, avec des corrections, des copies envoyées à 22 000 km, des tonnes de cartons qui partent? Enfin, c'est hallucinant. Il n'y a que dans un pays colonial qu'on peut imaginer un système aussi tordu. Monsieur, on sait ce que vous... Pour la FCPE, on sait que vous y êtes plutôt favorable. Désolé, il n'y a pas de langue de bois. Hein. c'est fait pour. Quel est, vous, j'allais dire, est-ce que vous partagez, est-ce que vous avez quand même quelques réticences, quelques réserves sur cette correction locale telle qu'elle est pour l'instant enclenchée? Pour l'instant, ça n'est, comme disait Madame Roire, qu'une réflexion sur la correction des épreuves générales et technologiques. Mais indépendamment de ça, nous, l'objectif principal, c'est quand même de gagner sur la fin de l'année scolaire du temps. Je veux dire que si on arrive à nous démontrer qu'on peut gagner une semaine, 10 jours pour les élèves de seconde et de première, ça a un intérêt bien précis.
reculer le début des épreuves du bac pour permettre aux élèves de seconde et de première de rester au sein des établissements plutôt que d'être plus ou moins déscolarisés à cette époque de l'année, ça c'est parfait. Ça signifie quand même réorganiser la fin de l'année scolaire pour la tenue des conseils de classe, notamment de seconde et première, parce que sinon, si on continue à les tenir comme on fait là pratiquement fin octobre, les élèves, une fois que... ça ne changera pas grand-chose au problème. Mais c'est vrai que quelque part, il faut être cohérent. On a le transfert des compétences aujourd'hui. Donc, il faut bien se dire qu'on est la seule collectivité, je crois, d'outre-mer, où les épreuves du baccalauréat sont corrigées à l'extérieur, en métropole. Ça a posé des problèmes il y a quelques années, quand on a perdu des copies, etc. Après, nous, on veut des garanties aussi. Hein. Je veux dire, quelque part, on veut des garanties sur l'anonymat, on veut des garanties. Techniquement, on n'a pas de soucis. Les professeurs sont parfaitement compétents pour corriger localement. Ils enseignent toute l'année. On n'a pas de soucis à ce niveau-là. Mais on veut quand même des garanties au niveau de l'anonymat. On veut aussi des garanties sur la délivrance du diplôme, qui reste un diplôme d'État. Le vice-recteur, lors de son dernier déplacement à Paris, a eu plus ou moins l'accord du recteur de Paris qui a dit « Ok, je mets l'estampille de l'Académie de Paris sur le diplôme ». Ça, ça va rassurer les parents quand même, quelque part, parce qu'on n'a qu'un souci. Ça ne se vérifie plus à l'heure actuelle. Hein. Mais c'est qu'avec ce diplôme-là, on a des soucis pour inscrire les enfants dans les universités, les écoles préparatoires, etc. en métropole. Par expérience, aujourd'hui, on s'aperçoit que les élèves avec le diplôme, quand ils arrivent de Nouvelle-Calédonie, ils sont inscrits en prépa, ils sont inscrits en université. Et un des exemples, c'est l'enfant qui sort avec une licence de l'université de Nouvelle-Calédonie, il arrive en métropole, il peut faire les masters sans problème. Il n'y a pas de discrimination parce qu'il n'y a plus de soucis à ce niveau-là, il y a bien longtemps. Il y a une académie. Je veux dire, la Nouvelle-Calédonie est connue aujourd'hui. On a pu connaître ce problème-là il y a 25 ou 30 ans ou 40 ans en arrière, quand nous, on était étudiants, parce que la Nouvelle-Calédonie, c'était quand même le bout du monde et ça pouvait paraître un peu lointain, mais aujourd'hui je crois qu'on n'a plus de soucis à ce niveau-là, je veux dire. Donc nous on est favorable à la correction locale du bac, bien entendu, et ce que disait Jean-France, c'est vrai, on a une moitié d'épreuves qui est corrigée, je parle du bac des épreuves anticipées de français, une partie qui est corrigée oralement et on accepte et on valide les résultats. On peut corriger localement la partie écrite, ça ne devrait pas poser plus de problèmes. Alors Fabienne Kadouka, donc pour les enseignants, est-ce que pour vous c'est aussi simple que ça? Est-ce que vous avez des réticences par rapport à cette correction déjà, hein, les écrits du bac de français qui vont avoir lieu cette année? Alors déjà, nous ce qu'on déplore, c'est que finalement la plupart des enseignants qui vont être concernés par ces corrections n'ont pas été informés. C'est-à-dire que là, ils vont pour la plupart apprendre par les médias que les corrections vont se faire en Nouvelle-Calédonie dès cette année pour les épreuves anticipées, les épreuves de français. Donc ça, c'est quand même un peu dommage. On aurait aimé déjà qu'il y ait une information au personnel concerné. Est-ce que justement ce manque d'information peut avoir des conséquences après sur l'organisation, la logistique, la qualité de la correction en termes de concertation, d'information, voire de formation tout simplement? Non, je ne pense pas que ça aura des conséquences en termes d'organisation, etc., puisque de toute manière c'est le vice-rectorat qui va organiser les épreuves et les corrections. Donc au niveau de tout ce qui est organisation, il n'y aura pas de souci. Par contre, ne serait-ce que pour les enseignants, ça aurait été bien qu'ils soient informés que cette année, ils vont être amenés à corriger les épreuves. En tout cas, les épreuves anticipées, les épreuves de français. Ensuite, principe. Oui. Sur le principe même de la correction, outre le fait que vous n'ayez pas été suffisamment informés en amont. Alors sur le principe même, nous, il faut savoir qu'on a fait une consultation à l'ensemble de nos adhérents pour ou contre la correction du bac en Nouvelle-Calédonie. Il faut savoir que chez nous, dans notre syndicat, il y a eu 60% des adhérents qui ont été contre. Notre syndicat est quand même le premier syndicat de l'enseignement en Nouvelle-Calédonie, donc à majorité enseignants. 60% se sont positionnés contre la correction du bac en Nouvelle-Calédonie. 33% se sont positionnés pour, sous certaines conditions, et 7% étaient plutôt sans avis. Donc à l'heure actuelle, notre syndicat s'oppose à la correction du bac en Nouvelle-Calédonie, à cause justement de ces garanties que nous estimons ne pas avoir encore. Et on regrette qu'il n'y ait pas eu de réunion. Ce n'est pas sur deux réunions dans le cadre du projet éducatif qui ont duré 2 heures avec 5 personnes autour de la table qu'on peut décider de la correction du bac. Il aurait fallu qu'il y ait des réunions en amont de préparation, des réunions d'information et tout ça malheureusement. Et même au sein des parents d'élèves, il n'y a pas eu ces réunions que l'on regrette. Alors qu'est-ce que vous craignez justement pour qu'aujourd'hui vous êtes contre? En quoi cette correction locale peut poser problème? Alors pour nous, c'est déjà ce que disait tout à l'heure M. Hons concernant l'anonymat.
Il faut savoir qu'aujourd'hui, effectivement, les épreuves du bac pro se corrigent en Calédonie, le DNB se corrige en Calédonie, et pas mal d'enseignants nous disent être tombés sur les copies de leurs élèves. Et pour nous, ça, ce n'est pas possible. Qu'un enseignant, même sur une copie, ce n'est pas possible. Il faut vraiment que le vice-rectorat puisse nous assurer 100% d'anonymat. Là, si au niveau de l'anonymat, si on peut nous dire demain qu'il n'y aura pas de souci, le vice-rectorat nous garantit 100% d'anonymat par rapport au correcteur, sur l'anonymat, la question est réglée. Ensuite, sur l'anonymat, juste Michel Roir, est-ce que oui. Vous avez, vous, un seuil critique, justement? Alors, on dit qu'avec 2000 élèves pour le français, on a justement cette masse critique pour avoir un brassage suffisant. Est-ce que vous savez à combien il faut finalement de candidats pour qu'on puisse avoir un brassage et donc un anonymat suffisant, enfin, garanti? Disons que c'est pas vraiment en nombre de copies qu'on va évaluer, je dirais, ce seuil critique, mais c'est davantage dans certaines séries où on a des flux mineurs d'élèves, je dirais, où on a peu de professeurs, hein. Je pense par exemple aux séries technologiques, industrielles notamment, ou dans certaines disciplines, on va dire entre guillemets rares, comme le latin, où effectivement ce brassage ne pourrait pas être effectué. Donc là, la correction locale serait exclue. Voilà, la correction locale serait complètement exclue. Là, on parle plutôt, pour nous, ce serait une dématérialisation des copies et donc une correction nationale. Voilà. Fabienne Kadouka, est-ce que vous faites partie de ceux, on l'entend notamment dans les débats politiques, car la question est aussi politique, qui craignent un bac cocotier, donc dévalorisé par cette correction locale? Alors, pour nous, concernant les enseignants, là, on est tout à fait d'accord avec Monsieur Hans sur le fait que pour nous, les enseignants de Nouvelle-Calédonie sont aussi compétents. Donc, il n'y a pas de raison que les copies soient dévalorisées en étant corrigées ici. Par contre, la crainte que l'on a derrière, c'est toujours la crainte de ce taux de réussite qu'il faut absolument obtenir. Et ce taux de réussite qui est inférieur à celui de la métropole, inférieur à celui de la Polynésie. Pour nous, il ne faut pas qu'on utilise cette correction du bac pour avoir justement la main sur ce taux de réussite. Alors, donc, collègues du SNES hein, partagent, alors qui n'ont pas pu venir, mais qui nous ont fait part de leur avis, partagent finalement cette crainte qu'il y ait une forme de correction bienveillante, un petit peu donnée par directive, pour qu'on atteigne le fameux objectif politique de 75% d'une classe d'âge titulaire du bac. Jean-France Toutiquion, est-ce que vous comprenez là cette réserve, que finalement on est là un levier pour donner des directives et forcer un petit peu les résultats? On la comprend, mais oui, on peut l'intégrer, mais franchement, quand un jeune a passé 15 ans sur les bancs de l'école, qu'il a tenu 15 ans sur les bancs de l'école, qu'il a été relativement assidu, qu'il a suivi... Nous, franchement, on va vous le dire, hein, nous, on n'est pas pour le maintien du bac en Calédonie. Il faut qu'il y ait un autre système qui soit mis en place rapidement. Alors, pour l'instant, il y a le bac, on demande à ce qu'il y ait la correction locale, mais on demande à ce que vraiment il y ait un contrôle continu qui soit beaucoup plus appliqué pour que vraiment... Parce qu'on a quand même un certain nombre d'élèves qui paniquent le jour de l'examen, hein, qui ont tout à fait la capacité d'avoir le bac, de faire des études supérieures, mais qui, pour X ou X raisons, paniquent le jour de l'examen. Donc il faut qu'on arrive à vraiment remettre en question ce baccalauréat. C'est ce qui se fait d'ailleurs en France, hein. Régulièrement, cet examen est remis en question pour plutôt valoriser le contrôle continu, le travail que fournit l'élève tout au long de l'année. Nous, on est plutôt en faveur de ça. Michel Roir, quelles sont les garanties, justement, qu'il n'y ait pas de pression politique, finalement, pour amener un taux de réussite un petit peu survalorisé par rapport à la réalité? Bon, alors, les garanties, bien sûr, moi, je tiens quand même déjà à rappeler, c'est d'abord, il faut que le Congrès adopte la proposition. Hein, donc là, on est quand même en train de parler, mais on n'est pas sûr que le Congrès le fera. Bien entendu, si le Congrès vote favorablement cette correction locale, l'État s'engagera à fournir toutes les garanties pour que le caractère national du diplôme soit préservé. Et donc, dans ce cadre, en tant que garant, l'État se doit effectivement d'entendre tout ce qui est crainte, inquiétude de tous nos partenaires.
et de pouvoir y répondre. Hein. Donc, ce qui est, on a parlé tout à l'heure de la garantie de l'anonymat, de garantir aussi, donc effectivement, que les corrections se passent de manière, je dirais, confidentielle, c'est-à-dire qu'on ne n'est pas des notes qui soient attribuées au rabais ou au rabais. Enfin, c'est pas ce que je voulais dire, non, qui soient attribuées avec bienveillance, au contraire. Non, il s'agit bien entendu de préciser que de toute façon, les sujets du baccalauréat seront toujours élaborés en métropole. Donc les sujets nous arrivent avec des grilles nationales. Ces grilles nationales, elles seront respectées. On ne modifie pas comme ça un barème au niveau d'une grille nationale. Donc nous, notre objectif, bien entendu, c'est de garantir tout cela. Hein. On est là pour... effectivement, assurer que ces grilles seront respectées. Hein? Christophe Coulson l'a dit, hein, le débat va arriver au Congrès, donc les politiques se le sont déjà appropriées. Est-ce que vous, là, en tant que secrétaire général, vous allez être probablement sollicité? Quel est finalement votre point de vue? Comment il faut prendre ce dossier qui est à la fois technique, qui est à la fois politique aujourd'hui? Écoutez, on a déjà été sollicité à quelques reprises, mais je voudrais revenir sur vos propos liminaires tout à l'heure, lorsque vous avez ouvert notre séance. Vous avez dit qu'il y avait un consensus sur la correction locale du bac. Non, il n'y a pas de consensus. Alors j'ai demandé, là, c'était justement, y a-t-il aujourd'hui, est-ce à dire qu'il y a consensus? Non, c'est toute il n'y a pas question. De consensus, Fabienne l'a rappelé. Nous, notre organisation syndicale aujourd'hui, elle est opposé à la correction locale du bac pour des raisons qui ont été déjà évoquées autour de la table, des raisons précises. On n'a pas aujourd'hui les garanties nécessaires pour pouvoir réaliser ça. Je vais juste revenir en arrière. Lorsqu'on a fait le transfert de compétences du second degré en 2012, on était déjà, nous, à l'époque, opposés à ce transfert parce que nous estimions que nous n'avions pas les garanties, et notamment sur la construction des lycées du Mont-d'Or et de Pointe-Boute. On en est où aujourd'hui? Je crois que le temps nous a donné raison. Ils sont en construction en ce qui concerne le Mont-d'Or, mais Pointe-Boute. Donc, c'est pour ce genre de raisons. Pardon ? C'est en construction à Pointe-Boute. Oui, mais excusez-moi, je peux terminer, je ne vous ai pas coupé la parole. Donc, on peut pas dire n'importe quoi non plus. Je ne dis pas n'importe quoi. Toujours est-il que. Allez à Pointe-Boute, vous verrez bien. J'ai le droit de m'exprimer, merci. Non, faut pas dire. Allez-y. Donc, par rapport à ce genre de raisons, c'est pour ça que nous, aujourd'hui, on dit il n'y a pas de consensus, nous ne sommes pas d'accord, parce que nous n'avons pas les garanties nécessaires sur les points qui sont évoqués là. Voilà, vous les attendez de qui aujourd'hui? Parce qu'il y a ça aussi, hein, c'est une compétence transférée, mais malgré tout partagée. C'est qui pour vous votre interlocuteur aujourd'hui? C'est le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie? Aujourd'hui, il me semble qu'il y a deux interlocuteurs. Il y a le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie d'une part et il y a le vice-recteur d'autre part. On se doit de discuter avec ces deux représentants. J'aimerais qu'on revienne sur l'un des avantages, en tout cas présentés, et Sylvain Onze l'a rappelé, attendu de cette éventuelle correction locale, c'est de gagner du temps scolaire réel pour les élèves. On sait que la fin d'année est souvent tronquée, avec des élèves de seconde qui finissent parfois en novembre. Michel Roire, en octobre, oui, en novembre, donc on a 4-5 semaines de perdu. Là, finalement, quelle est l'ambition? On parle d'une à deux semaines, est-ce que c'est pas voire petit, entre guillemets? Écoutez, je pense que on parle d'une à deux semaines, plutôt deux semaines, je pense même peut-être plus pour nos élèves qui préparent le baccalauréat, mais je pense que pour les élèves notamment de seconde et de première, on gagnera davantage, parce que l'heure actuelle, comme le disait Monsieur Onze, on a effectivement des élèves qui ne reviennent plus en cours après les épreuves du baccalauréat, puisqu'elles sont organisées et monopolise, je dirais, les établissements durant un certain temps. Jean-François Tiquet, on voulait. En fait, c'est souvent les élèves de seconde et de première ne reviennent pas. Enfin, les élèves de première reviennent parce qu'ils ont le bac de français, mais les élèves de seconde sont pas du tout tenus parce qu'il y a les conseils de classe qui ont lieu très tôt en octobre. C'est ça qui bloque, en fait, c'est cette année scolaire qui la tronque, qui la coupe artificiellement. Et les conseils de classe sont placés très tôt en octobre, justement pour pouvoir, parce qu'on sait qu'après les établissements seront fermés,
pour le bac, les épreuves du bac qui sont anticipées, puisqu'elles sont envoyées en France pour correction. Donc on perd comme ça 3 semaines. Et comme il y a des vacances également en octobre, donc généralement les conseils de classe sont placés dans la première quinzaine d'octobre. Alors une fois que vous savez que vous passez, quand vous êtes un élève de seconde, que vous savez que vous passez en première, vous comprenez ce qui se passe. Donc voilà, c'est pour ça que ce troisième trimestre, il n'existe quasiment pas, notamment pour les élèves de